Et moi c'est tous les amis, surtout pour une toute nouvelle vidéo. Oui, c'est bien le premier épisode officiel. Le tout épisode c'était pas vraiment un vrai épisode. Et l'ouverture de Dikov non plus. Donc là c'est vraiment le premier épisode de Brawler Star. Et on va commencer par notre premier personnage qui est Skilly. Et qui est bien sûr mon mate. Alors on va faire un mode de jeu que je kiffe. On va jouer en survivant. Et on va jouer en solo. Alors le but de survivant, en fait on est 10 survivants et en fait il faut survivre aux 10 et plus on va monter, moins il y aura de survivants, plus de points on va gagner. Bon, moi en l'occurrence, je suis rang 16, donc pour moi avoir des trophées, il faut que je sois dans le top 5 minimum. Donc Skilly c'est un personnage un peu cheaté sur ce jeu. Enfin, sur ce mode de jeu, il va rester planqué et dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant lui, il va le frapper directement. Et normalement, en 3 coups, il peut faire son ulti. Donc, il va falloir qu'on. Généralement, quand on a son ulti, on peut buter n'importe qui. On va devoir ramasser des coffres pour pouvoir avoir des petites gemmes vertes et ça va donner de la vie en plus et de la force en plus. Vous allez vite comprendre, c'est pas très difficile. Donc, c'est le premier mode de jeu. C'est la première vidéo, donc on. Je vais vous expliquer un peu tout. Après, je vous expliquerai que le personnage qu'on joue. Alors, donc, vous voyez où il y a des herbes où on peut se cacher. Et nous avons des petits coffres ici. Qu'on peut, bien sûr, casser. Pour pouvoir avoir des petites gemmes électriques. Qui nous donnent de la force en plus. Et vous voyez, on est déjà plus que 8 survivants. Et on a un petit Nita qui est là. Qui veut peut-être se fight. Non. Et ben, on va rester un petit peu planqué. Alors, il faut savoir que Skilly entre en action vers 6, entre 5 et 6 survivants. Moi j'attends toujours le 5, ainsi je suis sûr de gagner des pièces. Donc là voilà, maintenant je suis sûr de gagner des pièces, enfin des trophées. Là je vais dans le tas. Alors pourquoi il est dans le tas? Bon après là on a un bull qui est assez cheat. Ben, pour pouvoir farmer un peu son ulti par exemple là. Voilà bon, là je suis tombé contre un bull qui est à 8000 d'XP, je savais rien faire. Mais j'ai gagné 2 trophées. Donc ça c'est nickel. Alors on continue. On gagne bien sûr toujours ça. C'est nickel. On va bien sûr continuer. Donc voilà. Skilly entre en action seulement dès qu'il y a beaucoup moins de monde. Pour pouvoir faire des gros KS. Et là on a un perso que je déteste. En face de nous. Voilà. Il fait très mal mais il n'a pas beaucoup de vie. Mais il fait horriblement mal. Et j'ai pas envie de mourir en premier parce que je vais perdre 7 trophées. Donc on va rester un petit peu en discrétion. Tranquillou. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Skilly c'est un personnage qui va camper. C'est pas un personnage bourrin comme El Cousteau. Qui va venir directement dans le tas. Et bourrer la gueule à tout le monde. Donc là j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Mais je me suis montré et là on va tuer contre Léon et là on va se faire laminer la gueule. Parce que Léon est un personnage assez cheat et c'est un légendaire. Et voilà, donc là j'ai fini 7ème, donc je vais perdre 4 trophées. Et ça fait mal, ah non que 2. Que 2, je m'excuse. Donc les 2 qu'on a gagné on les a perdus directement. C'est un peu la merde. On continue. Je veux arriver à gagner une partie avec vous. C'est pas trop difficile normalement. Il faut juste bien tomber. Et pas tomber sur deux autres persos. Là par exemple. Voilà. On lui met un bourrin. On lui met un deuxième bourrin. Et en fait là on a un deuxième Skilly qui veut. Il me veut moi. Hein. Il me veut moi. Il sait que j'ai plus beaucoup de vie. S'il se casse pas, je suis mort. Hein. Oh là là, il y a un autre Skilly qui est venu m'aider. Il aurait peut-être pas dû parce que moi je vais le KS. En fait, pas du tout. Entre deux Skilly, c'est très difficile. Là par contre, je perds 4. Et c'est négligeable ça.
On aurait pu éviter ça, mais on l'a pas fait. On va essayer de faire une bonne partie, là, mine de rien, parce que là on fait pas de bonne partie et c'est nul. Donc voilà. En fait, il faut que j'aille les deux coffres sans que l'autre skill y vienne. Voilà. Là, normalement, on va faire une bonne partie parce que j'aurai du stuff. Voilà. Faut ce stuff. Il y a un stuff dans ce jeu, c'est ça en fait. Il faut vraiment avoir les affaires comme ça, enfin les boîtes. Et là, on va se faire un petit bulle. Enfin, au moins, on va essayer. Ah, il y a un bulle qui est mort. Est-ce que l'autre bulle vient? Non, pas du tout. On va attendre, on va rentrer en action quand il faudra. On n'a plus que 6. Encore un petit cinquième et c'est nickel. Et puis on va pouvoir rentrer dans le tas. On n'a plus que 4 et on a un Léon dans la partie. Et ça par contre, c'est pas top top. Par contre, moi au final contre Léon, je peux peut-être le KS si il a beaucoup de dégâts. Mais on va essayer de le drop, mais c'est pas facile Léon. Après quand il y a des fights comme ça, venir s'intercaler dedans. C'est une bonne idée. En tout cas, c'est moins bête. Parce que on peut bien sûr déjà KS quelqu'un directement. Et là, on a Bull. Ouais, mais Bull, il avait 10 000. Ouais, non, il avait 10 000 de vie. Il a 11. Ouais, mais Nitei, il va se faire ouvrir. Voilà, il s'est fait ouvrir en un coup. En un coup, il s'est fait ouvrir. Donc là, on a récupéré ce qu'on avait perdu. Donc pour le moment, on n'a encore rien gagné depuis le début de la vidéo. On a gagné 2, on a perdu 2, on a gagné 4, on a perdu 4. Donc, on fait pas de jaloux, comme on dit. On va essayer de voilà, de gagner, avoir du gain, parce que le gain, c'est important. Et là, on va jouer contre un El Cousteau au début. C'est pas top, top, top. Voilà. Donc là, j'ai mis un coup. Oui, je viens en fight. Ce que je vais essayer de farmer mon ulti. Alors, farmer son ulti, c'est faire des dégâts un personnage pour avoir son attaque spéciale. À l'occurrence, l'attaque spéciale de Skilly est terrible. Elle est vraiment géniale. Par contre, là, j'ai un problème. C'est que je n'ai aucun bonbon d'énergie. Enfin, boîte d'énergie. Et ça, c'est très mauvais. Parce que je peux me faire ouvrir en 2 secondes. Même si j'ai mon ulti. Et je pense pas en avoir à part en butant quelqu'un. Par contre, si lui vient, il me KS parce que lui c'est un qui a plus de 3 000 de gars. Et là, on a Léon. Faut vraiment pas qu'on affronte Léon si on veut survivre. Voilà, je continue à farm mon ulti. Voilà, lui il va se faire buter par Aigle. Voilà, oh, c'est même moi qui l'ai eu. Ok, on n'est plus que 6. Rentrer dans le top 5, c'est possible. Voilà, top 5 c'est fait, j'ai mon ulti, mais j'ai rien du tout. Ok. Il m'a fait très très mal. Très 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 mal. Léon est très mal. On va buter Léon. Ainsi j'ai deux trucs. Nickel. Et on va aller buter Skilly. Non, il était quasiment mort. J'aurais pu aller dans le top 2. Enfin. Voilà, bon. Soit, on a gagné 2. C'est pas. On prend tout. On prend vraiment tout. Hop, on continue. On est parti. Vidéo, plus ou moins 10 à 15 minutes pour apprendre les personnages. Vous avez vu l'attaque ulti. C'est un gros coup de pistolet dans le fion des adversaires. Et là, on a Corbeau. On a un autre légendaire en face. Il est plus simple à battre que Léon. Donc c'est plus sympa. C'est plus simple. Par contre, lui, il empoisonne et ça, c'est moins bien. Ouais, il m'a empoisonné, donc je vais prendre des dégâts à chaque fois. Par contre, je vais essayer de farmer mon ulti, donc on va. Ouais, allez. Voilà. Donc là, je farme mon ulti, je prends peut-être un peu cher. Mais ça va, ça va, ça va. Je vais récupérer de la vie grâce à mes électriques. Qui m'a donné de la vie à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que je farm mon ulti sur Corbeau. Et ça, c'est bien. Corbeau est bien, mais il empoisonne. Donc, ça, c'est un peu moins bien. Donc là, on est en train de jouer avec lui. On joue avec le mur. Il peut rien nous faire. Donc,
Voilà, on régène et on farm notre ulti pour pouvoir le KS à un moment et pouvoir le drop. Ouh, il essaye de faire sur les côtés. Non, on va pas se faire attraper. On va se mettre ici. On va attendre tranquillement. Voilà, dans le top 5, avec Corbeau a niqué quelqu'un, a niqué Nita. C'est bien. Ouah, j'ai pas pu mettre mon ulti. Je l'ai mis, mais il a rien pris. Et dommage. Bon, allez, plus 1. On fait des gains. En fait, les personnages comme ça, qui est déjà méga haut, on gagne pas grand chose. Vous allez voir, plus les personnages sont plus petits, plus ils vont gagner de l'XP. Et plus ils vont gagner de trophées, surtout. On fait une petite dernière partie. Et puis, alors on va se laisser là. C'était vraiment pour présenter Nita, sa petite série comme ça, pour présenter les personnages. Ah, on a Gold en face. Est-ce qu'il va là-bas? Non, nickel. Ok, on essaie de faire une bonne partie dans le top 5. C'est l'objectif, pour pas toujours, pour pas perdre en fait. Le but est de ne pas perdre de trophées. Et bien sûr, d'en gagner minimum un. Ce serait bien. Et on va rester un petit peu planqué. On va attendre, bien sûr. C'est un jeu de pute, on peut dire. Mais c'est le mode de jeu joué par Skillian. C'est pas moi qui décide de jouer comme ça. C'est tout le monde le joue comme ça. Voilà, j'ai KS un gars dans les buissons. J'ai mon ulti. J'ai 3. Je suis bien stuff là. Je vais pas dire que je suis bien, bien, mais je suis pas mal. J'ai mon ulti. Et j'ai 3. Le mieux est d'avoir 6000 de vie. Donc il m'en faudrait 4. Mais déjà 3, c'est déjà largement bien. Ok, là on est encore 7. Donc j'ai mon ulti, normalement je peux KS n'importe qui. Bien sûr, s'il a pas 15 000 de vie. S'il n'a pas plus de 8 000 de vie, je peux le KS. Après, il faut pas qu'il mette de dégâts en premier. Donc là on va essayer de voyager dans la zone principale. Voilà, là il m'a KS, il avait beaucoup plus de vie. Donc on a encore perdu 2. Donc voilà, c'est un personnage qui est assez chaud à jouer. Les personnages sont très chauds à jouer en termes de perte en fait. On perd à chaque fois, on perd plus qu'on gagne. Parfois on fait les top 1, donc on peut gagner 7 et c'est beaucoup mieux. Mais parfois on peut en gagner beaucoup moins. Alors j'ai des demandes d'amis. Invitation. Nickel. Bon, soit. Allez, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et la prochaine fois, on fera Nita pour la deuxième vidéo de Brawl Stars. Allez, bye bye.